Donc ici, j'ai passé des couleurs claires, un fond, une espèce de jus rose-orange. Et ensuite, sur les côtés, j'ai passé la couleur plus foncée, c'est-à-dire sans eau, la couleur pure. Et ça m'a fait des ombres comme ça sur les côtés. Maintenant, je vais aller vraiment dans les détails ici, en fonçant le plus que je peux entre deux, vous voyez, dans un trou comme ça, entre deux objets du dessin. Voilà. Donc ici, en fonçant cette partie-là, ça me permet d'avoir l'autre qui ressort. Maintenant, je prends cette couleur violette, vous voyez, qui est un peu plus foncée que l'orange que j'avais pris pour le corps. Et je vais faire les ombres ici dans la queue. Vous voyez, des ombres un peu plus foncées avec ce violet qui va se mélanger à la couleur plus claire. Maintenant, je vais faire une ombre beaucoup plus foncée ici pour vraiment affermir le volume là. Voilà, parce que j'ai pas assez de contraste entre les parties claires et les ombres. Vous voyez, il faut vraiment que je contraste plus. Comme vous voyez, il faut que je rajoute des taches là que j'ai un peu estompées en mettant l'ombre. Donc je rajoute de la couleur foncée, c'est-à-dire une espèce de violet, on va dire, que j'ai mélangé à l'orange. Voilà, je refais ces taches parce qu'elles avaient disparu. Et c'était assez sympa en fait de les voir. Voilà. Voilà, maintenant je passe à la mise en couleur du fond. Comme vous voyez, comme d'habitude, je prends du blanc. Alors là, c'est du blanc de titane de chez Liquitex que je mélange avec ma couleur. Maintenant, je vais passer le fond à la couleur avec un espèce de rose qui est un peu foncé, mais je le claircirai plus tard. Donc, comme à mon habitude, je prends du blanc Liquitex, que je mets, donc de la peinture acrylique, que je vais mélanger avec cette couleur carmin, voilà, en Colorex. Voilà, et ça me donne une couleur comme ça, très claire, que je claircirai encore plus tard. Donc j'étale bien, et maintenant je vais faire les contours. Donc pour les détails, vous prenez un numéro 8, un pinceau d'âle numéro 8. Et là, je vais changer de pinceau pour cette partie-là du fond. Pour aller plus vite, je prends un numéro 10. Ou là, c'est un 14. Il y a des 18 aussi. Voilà, donc je vais faire ça au gros pinceau. Voilà, comme vous voyez, ma petite langoustine ou mon homard au choix est terminée. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aussi vous abonner à ma page Facebook Mademoiselle Catillot, mon compte Instagram et mon blog.